Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on se retrouve dans le froid et l'héroïne de cet épisode pour changer un petit peu des habituelles italiennes, ça sera cette BMW. Est-ce que tu es sûr de bien entretenir ton véhicule? J'ai testé l'huile de cette BMW et une fois de plus j'ai été très étonné. Si tu veux voir l'analyse d'huile que j'ai effectuée précédemment, je te mets un lien quelque part là au-dessus de la vidéo et tu retrouveras également un lien à la fin de cette vidéo. Suite à la précédente vidéo, vous avez été très nombreux à me demander où est-ce qu'on pouvait effectuer une analyse d'huile. Donc en description de la vidéo, tu retrouveras un lien vers le site où moi j'ai fait effectuer l'analyse précédente et celle-ci. Donc les prix sont très abordables, c'est un peu moins de 49 € pour une analyse basique comme j'avais fait la dernière fois et un peu moins de 60 € pour une analyse avec TBN comme on va voir aujourd'hui. Les prix sont très abordables, tu pourras ainsi voir un petit peu l'usure de ton véhicule, voir s'il y a d'éventuels problèmes et surtout savoir si l'entretien que tu appliques en matière de vidange à ton véhicule est optimal ou non. L'analyse d'aujourd'hui est payée de ma poche, tout ça pour continuer à explorer le sujet des huiles moteurs. Et je tiens particulièrement à remercier Jérémy qui a participé à financer l'analyse d'aujourd'hui à l'aide du bouton Super Thanks en dessous de la vidéo. Tu peux également, toi, utiliser ce bouton si tu souhaites m'aider à développer cette série. Tu peux également partager la vidéo, laisser un pouce ou bien un commentaire. L'héroïne de cet épisode est cette BMW 140i. C'est un moteur 3 litres turbo essence. C'est le code moteur B58 pour ceux que ça intéresse. Et ça fait quand même 340 chevaux. C'est un véhicule récent, cette BMW n'a que 66 000 km. L'huile que j'ai fait analyser a 23 000 km et 25 mois. La préconisation constructeur, c'est 25 000 km ou 2 ans. Donc là, ça a été légèrement dépassé. C'est un véhicule qui a été récemment acheté. D'après les dires du précédent propriétaire, il a surtout été utilisé sur autoroute. On ne sait pas s'il y a eu des appoints d'huile et le volume de carter doit faire à peu près 6 litres. Comme tu peux voir, c'est un très beau véhicule. Il a exclusivement été entretenu en concession. Donc on va supposer que l'huile qui était à l'intérieur, c'est celle qui est préconisée. Donc la BMW Twin Power Turbo Long Life 04 5W30. Malheureusement, BMW ne fournit pas la fiche de caractéristiques de l'huile. J'ai trouvé des analyses effectuées par des passionnés sur Internet. On va se référer à ça pour cette vidéo. Si tu souhaites que je fasse analyser l'huile neuve de chez BMW en labo, c'est simple, tu laisses un pouce. Si la vidéo atteint 10 000 pouces, je m'engage à acheter l'huile d'origine, l'envoyer au labo et puis vous faire un petit rapport. Ça pourra peut-être servir aux passionnés de BMW. Donc, j'ai voulu faire un prélèvement, comme précédemment, via la jauge d'huile. Sauf qu'ici, bah, il n'y en a pas. Donc, on a un véhicule sportif, mais on n'a pas de jauge manuelle. Allô ? Non mais allô quoi ? Les constructeurs, faut vraiment que vous arrêtiez de faire des trucs comme ça. Surtout quand on connaît la fiabilité aléatoire des jauges d'huile électroniques. Et ça, c'est tout constructeur confondu. Comme la vidange, une fois de plus, a été faite en concession de ce véhicule-là. Le prélèvement, c'est pas moi qui l'ai fait. On a gentiment demandé à la concession BMW. Et ils ont gentiment accepté de faire un prélèvement d'huile. Pour des raisons évidentes, j'aurais préféré le faire moi-même. Mais c'est tout de même très gentil de leur part d'avoir accepté de faire le prélèvement. Pour cette vidéo, je ne vais pas tout détailler comme la dernière fois. Si tu veux voir tous les détails de tous les paramètres qui sont analysés, tu peux voir la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur les choses qui sont vraiment pertinentes. Au bout de 23 000 km et 25 mois, voilà les conclusions de l'analyse. Les analyses n'indiquent pas de pollution anormale telles que liquide de refroidissement, carburant ou poussière. Les niveaux d'usure sont corrects et la viscosité mesurée correspond bien à un grade 5W30. Et sur ce point-là, c'est très intéressant. Je te mets les résultats à côté. La viscosité mesurée au bout de 23 000 km est de 12. On n'a pas les données exactes de l'huile, mais les deux analyses qu'on peut voir sur Internet, il y en a une qui date apparemment pour les huiles qui étaient utilisées en 2020, une autre qui date pour les huiles qui auraient été utilisées en 2023. Pour l'une, on est à 12,07 pour une huile neuve, et pour la seconde, on est à 11,75 pour une huile neuve. Donc, quel que soit le résultat qu'on prenne, on a une très très faible variation de la viscosité. J'ai vu beaucoup d'analyses de différentes huiles et sur différents moteurs, y compris de celle-ci, et j'ai rarement vu, voire jamais, un résultat aussi bon. J'avais notamment pu voir comment se comportait la même huile, mais sur un moteur diesel, et au bout de 10-12 000, on avait une très très forte baisse de la viscosité, de l'ordre de 40 %, ce qui est énorme. Ici, on n'a presque rien.
même si on suppose que les données qu'on a ne sont pas exactes, le range pour une 5W30, il est situé entre 9,3 et 12,5. Donc là, on est toujours dans le haut du range, ce qui me semble très correct. Donc on pourrait éventuellement supposer un phénomène, se dire que l'huile qui était initialement avait une viscosité plus faible et qu'elle a légèrement augmenté avec l'encrassement. Sauf bien entendu si la concession initialement n'avait pas mis de la 5W30, mais par exemple autre chose, 5W40. Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Et puis bon, on va partir du principe qu'ils font ce qu'ils préconisent quand même. J'ai également fait tester le Teben pour cette huile. Et donc ici, les conclusions sont les suivantes. Nous notons un Teben bas pour ce type de produit, indiquant une huile en fin de vie, nous conseillons de prévoir une vidange. Ça tombe bien, elle vient d'être faite. Donc, c'est quoi le Teben? Alors, pour rappel, l'un des rôles de l'huile est de protéger le moteur de la corrosion. Le Teben est une réserve basique ou alcaline, si tu veux, contenue dans l'huile qui est censée neutraliser les résidus acides qu'il y aurait dans l'huile. Un moteur thermique, quand il fonctionne, produit des résidus acides qui sont dus à la combustion. Et donc la basicité de l'huile est censée neutraliser ces résidus acides. Pour quantifier les acides contenus dans l'huile, on se sert d'un indice qui est appelé TAN, qui n'est pas testé ici. Donc globalement, quand tu as une huile neuve, tu as un Teben élevé. Celui-ci va baisser au fur et à mesure du temps et l'indice TAN va augmenter. Quand les deux arrivent au même niveau, on considère que l'huile est bonne à remplacer. Si l'huile n'est pas remplacée, elle va devenir acide et va potentiellement provoquer de la corrosion ou d'autres dégradations à l'intérieur du moteur. D'après les analyses qu'on a, l'indice TBN de l'huile neuve est à 7,6. Ici, l'indice TBN après 23 000 km est à 1,8. Donc on n'a pas l'indice TAN, mais si on se réfère à l'une des analyses, on peut voir que déjà initialement dans l'huile neuve, l'indice TAN est à 1,76. Donc on peut très facilement en déduire que dans le cas présent, très probablement, l'indice TAN est déjà plus grand que l'indice TBN. Bon, pour conclure, t'as vu, niveau usure moteur, au bout de 23 000 km, on est bon. Pour la viscosité, on est très très bon aussi, à ma grande surprise. Par contre, au niveau de l'acidité de l'huile, bah, c'est pas terrible. Donc moi, si c'était mon véhicule, je réduirais un petit peu l'intervalle de vidange, peut-être à 20 000, voire à 15 000, et je referais une autre analyse pour voir est-ce qu'on arrive à quelque chose d'optimal. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce et en attendant, tu peux aller me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran, entre autres celle de l'analyse précédente. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao !